Fiche-moi le gant, sale chat. Elle est pas morte quand même. Tout ça est ta faute, espèce de petit vaurien. Mon Dieu, elle est blessée, la pauvre enfant. Non, non, je n'ai rien, madame. Non, j'ai pas mal. Incline-toi devant Lady Kalin. Lâchez-le. Les prisons de Londres sont déjà pleines de ces malheureux. Allez, sauve-toi. Comment? Enfin, qu'est-ce que tu attends? J'attends mon ami. Ton ami? Cette ravissante petite fille? Oh, tu dois rêver. Mais non, madame. C'est vrai, nous sommes amis. Oh, je suis trop pressée pour essayer de comprendre, mais aujourd'hui, tout est possible. Où est passée Alice? Vous ne trouvez pas que ça ressemble à une cloche de Pâques? Je t'avais dit de ne pas voler. Lâche ce casque, Elise. Ben, tu veux qu'on se retrouve en prison? Dans cette rue, Oliver. Tu ne savais pas où dormir? J'en avais assez de cette infâme Terre Sainte. Qu'est-ce que c'est que l'infâme Terre Sainte? Le quartier Saint-Gilles. Il n'y a que des pauvres et des bandits. C'est vraiment l'enfer. Et alors, c'est là où tu vis? Tu vis au quartier Saint-Gilles? Oui. Et quand je n'en peux plus, je vais dormir sur les marches d'un beau perron. Pour moi, c'est comme un grand hôtel. Regarde! Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai cru entendre des cris de bébé. Oh non, ce serait horrible. Il faut le sauver. Eh bien, je connais un escalier pour descendre sur les quais. On trouvera sûrement des marques. Oui. Dépêche-toi, Oliver. Dépêche-toi, il va couler. Je vais aller voir. Elise! Elise! Tiens bon, Elise! On arrive! Voilà, Elise, nous sommes là. Ça y est, je l'ai. Bravo! Tout de même, heureusement que je suis là. Tu avais raison, c'est un bébé. Oui, il est trop vrai. Oh, il faut absolument que je le change, sinon il va mourir de froid. C'est un garçon. On dérive, il faut qu'on gagne la berge. Mon Dieu, il grelotte, pourvu qu'il ne meure pas. Je les connais, c'est la bande des Katsu. Il faut trouver à manger pour le bébé. Tu crois qu'ils peuvent nous aider? Oh, ça m'étonnerait, c'est pas leur genre. On peut quand même essayer. S'il vous plaît. Salut, vous avez fait bonne pêche? Dis donc, tu vois pas qu'on est occupé? Tu ferais mieux de te deviner. On veut pas être dérangé, c'est compris. Je sais que vous avez besoin de voler pour vivre, mais c'est pas une raison pour être méchant avec une petite fille et un bébé. Votre butin, on n'en a rien à faire, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est juste un peu de lait pour lui.
Drôlement joli ton poupard. Tu l'as trouvé où? Dans un chou? Non, dans l'eau. Quelqu'un l'a jeté du haut du pont. On l'a sauvé de justesse. Eh bien, puisqu'on est d'accord, les gars, on va vendre la montre au fourgue. Ouais, c'est d'accord, Neddy. Mais c'est quoi le fourgue? C'est Monsieur Sidney, le reseller. Il a acheté tout ce qu'on vole. Allez, suivez-nous, on vous protège. Élise, tu viens? Qu'est-ce qui peut être obéissant, ton chat?